ans, avec lequel il avait notamment participé au championnat du monde 2016. Championnat du monde qui avait terminé à une très belle 16e place et il est actuellement dans cet obstacle numéro 1. Pour la France, Renaud Vinc. Sébastien Botelli dans l'obstacle 2. Il faudra aller plus vite que Jean-Michel Olive pour remporter cet obstacle. Le temps de référence 39,09. Seul meneur est passé sous la barre des 40 secondes jusqu'à présent dans l'obstacle 5, Jean-Michel Olive. Et pour Sébastien. Sébastien Botelli, 48,49 secondes, et chrono qui continue à tourner. 50 secondes 89, c'est le 7e temps pour la Suisse et Sébastien Botelli. Et le sifflet retentit à l'obstacle numéro 3, c'est logiquement pour accueillir le Canada et Kelly Outapple's brother, the number 8 in the obstacle, number 3. Kelly Outapple's, mesdames, messieurs, qui avait participé l'année dernière au championnat du monde attelage à un cheval qui s'était tenu à Piper en Autriche. Elle avait terminé à la 7e place du classement général. Belle performance donc pour le Canada. Et Kelly Outapple's brother avec son cheval Oldenburg, un cheval de 9 ans. 8e également cette année au concours international de Horst. C'est la deuxième fois qu'elle nous fait le plaisir de venir ici à Chablis pour ce concours international. Et jusqu'à présent, eh bien, ça se passe plutôt bien pour Kelly. 3e temps dans le 1, 4e temps dans le 2. Et un petit coup d'œil sur le chrono. Ah, c'était probablement. Voilà, mesdames, messieurs, vous l'avez peut-être reconnu. Il s'agit de Caritos. Oui, Caritos, depuis ce que nous avons eu tout à l'heure dans la catégorie des attelages à un poney, je vous avais dit qu'elle était ici avec deux attelages. La voici avec Lucas, son cheval, avec lequel elle avait réalisé une belle performance au dressage. 52-53, c'était la note qu'elle avait obtenue. Et donc, véritable prouesse hein, pour ces meneurs qui, imaginez-vous, font deux marathons avec deux attelages différents. C'est véritablement une épreuve physique. Bravo donc pour cette performance. D'ores et déjà, Karine Sommerquist qui termine cet obstacle numéro 1 à la 10e position, 50 secondes 66. Septième des derniers championnats du monde. Avec son obstacle 4 pour le Canada, pour Canada, Kelly et la sienne pour son deuxième passage avec ce cheval étonnant, cheval de l'été suédois avec lequel elle a prêté à 52-53 puisqu'elle passe à ce petit passage. Et alors, que mesdames et messieurs, tout vent, tout rouge, tout va très vite sur ce marathon, puisque Mathieu Horst, l'obstacle numéro 4.
ça va de plus en plus vite, ça va de plus en plus vite. Pour la Suisse, c'est Stéphane Ulrich, à quelques centièmes donc du meilleur chrono sur cet obstacle 4. Et la Belgique a fait son entrée, nous sommes actuellement sur le top 3, le podium du dressage, mesdames, messieurs, va arriver sur ce parcours. Nous avons la troisième place actuellement, elle porte d'ailleurs le numéro 3, elle avait dressé à 48,85, elle vient de réaliser le premier obstacle dans un temps de 44 secondes, 48 centièmes, 11e temps pour Laure Philippot sur ce premier obstacle, l'obstacle critique de Chavis de Tonnerre. De nombreuses, nombreuses talentueuses ici à Chablis, Karine Sederquist, Angèle Brizou, Valentine Vernat, Laure Philippot dans quelques instants. C'est qui mène cette catégorie.